Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boîte à mots. Pour la dernière vidéo de l'année, nous sommes en compagnie de deux invités de marque. Alors Paul Duboucher, l'autrice de 68 années zéro, et Isabelle Pandazopoulos, l'autrice de 3 filles en colère. Bonjour Paul, bonjour Isabelle. Bonjour. Vous avez toutes les deux écrit cette année et pour vous l'année dernière un roman sur les 68. Est-ce que vous voudriez bien m'expliquer pourquoi vous avez eu envie ou besoin peut-être d'écrire sur cette année si particulière ? Moi, j'avais envie d'écrire sur un processus, en fait, parce que ce n'est pas juste sur le mai 68, c'est vraiment sur comment un événement arrive, gronde de plus en plus fort jusqu'à exploser. Et la caractéristique de cette période, c'est quand même qu'un vent de liberté soufflait sur le monde entier. Et j'ai pas l'impression que ça s'est reproduit depuis. Moi, il s'est trouvé que ce basculement qu'a été mai 68 a correspondu exactement terme à terme au basculement que représente l'année du bac, puisque j'habitais chez ma maman qui était complètement acquise au mouvement. Donc il y a eu une espèce de... J'étais un peu dans la marmite de la sorcière, si vous voulez. Voilà, donc j'avais envie de parler de ce moment-là. Après, ce qui vous réunit aussi, c'est que vous abordez... Enfin, on comprend bien, vous, parce que c'est vos souvenirs, mais le point de vue de la jeunesse et aussi le point de vue de jeunes héroïnes. Il y a moins de points de vue masculins. C'était important pour vous ou c'est venu justement de manière assez naturelle? Si je fais un lien avec tous mes livres, peut-être que c'est toujours ça que je raconte, comment on passe de jeune fille à femme et qu'est-ce que ça engage voilà, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il se trouve que 68, à la Sorbonne, a eu lieu l'acte 1 du féminisme. Et les femmes qui en témoignent racontent un moment extrêmement fort où les femmes se sont réunies un peu par hasard en disant « bon, on parle de tout partout et nous ». Et donc ils placardent un rendez-vous, qui se donnent rendez-vous dans un endroit et qui passent la nuit à parler et qui n'arrivent plus à se quitter. Et ça, je trouve ça à peu près aussi fort que ce qui s'est passé et qui continue, cette vague-là. Peut-être d'ailleurs que c'est cette vague-là dont je parlais, la vague de révolte mondiale qui ne s'est pas reproduite. Peut-être qu'elle est en train quand même de se reproduire avec hashtag MeToo. Il y a l'air d'avoir quelque chose d'un féminisme qui renaît de ses cendres ou qui repart ou... Voilà, aujourd'hui. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans et demi, j'étais une gamine, les garçons avaient la parole, c'était eux qui parlaient plus fort dans les AG, c'était d'ailleurs dans les mouvements politiques auxquels j'ai adhéré un petit peu très vite, tout de suite, dès la rentrée 68, c'était les garçons qui parlaient. Et est-ce que vous aussi, comme Isabelle, vous avez l'impression que votre roman... avec tout ce qui se passe aujourd'hui, du féminisme, mais aussi des mouvements étudiants, des grèves, qu'il y a quelque chose qui résonne plus particulièrement. Je trouve que le contexte est très, 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 très différent, vraiment très différent, sociétalement, sociologiquement, politiquement. On n'a pas le même rapport aux politiques. On avait un rapport aux politiques quand on était jeune à ce moment-là, comme si on était en mesure, en effet, de faire levier sur les choses, de changer le monde. C'était pas une expression consacrée qui était absolument vide de sens comme elle l'est aujourd'hui. Et on croyait en la politique, on croyait en le politique. Et je pense qu'aujourd'hui, ça passe vraiment par d'autres canaux, le fait de changer le monde. Oui, mais moi j'entends la résonance, la question de la résonance, je l'entends dans le fait que, ce sont les hommes qui continuent à prendre la parole plus facilement, ce sont les hommes qui continuent à être majoritaires en politique, et que ce combat-là, il reste à mener, et que, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme politique ministre de l'écologie s'est fait insulter parce qu'elle avait une robe fleurie. Enfin, il y a toujours une menace. Il y a toujours une menace de quelque chose qui n'est pas passé dans l'ordre du naturel ou de l'acquis. Ça reste à conquérir, je trouve. Le droit à l'avortement, le droit à la pilule, la question de la contraception des hommes, elle n'a pas beaucoup évolué. On ne peut pas dire que la recherche... Toutes ces questions-là, on a l'impression qu'il y a quand même
toujours à... Et je pense que c'est aux femmes, hein, c'est pour ça que ce sont deux romans de femmes, et je pense que c'est important. Ça ne peut être que les femmes qui revendiquent cela, parce que c'est jamais des dominants qui donnent de la place aux dominés. Ça ne s'est jamais vu dans aucune société. Donc c'est aux dominés de dire maintenant ça suffit. D'ailleurs, ça suffit. Bon, ouais, d'ailleurs, on l'a fait. Et votre écriture, du coup, vous la considérez comme justement historique ou de mémoire ou politique? Oui, alors après, historique, ça peut faire poussiéreux. Or, voilà, je préfère politique. Je pense que si j'ai décidé de le mettre dans trois pays différents, voilà, c'était pour confronter plusieurs points de vue, idéologies, et de voir comment l'individu s'articule au collectif, ce que tu fais aussi, mais d'un point de vue singulier. Moi, c'est mon entrée en politique. Voilà, hein, c'est je pense que ce qui traverse nos deux livres, c'est la question de l'engagement individuel de manière différente, avec des points de vue différents. Le mien, c'est un livre autobiographique, mais c'est ce qui a traversé toute cette année, toutes les années qui ont suivi, parce que 68, c'est pas seulement mai, c'est 68, 69, 70, le début des années 70, etc. 68, c'est tout ça, quoi, c'est tout ça. Et la question qui a traversé ma génération, c'est la question de l'engagement individuel. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'engagement individuel, par rapport à l'engagement collectif, avec des débats infinis si tu prends pas ta carte, t'en es pas. Mais oui, mais justement, moi j'en suis parce que je prends pas ma carte, etc. Alors après, la question aujourd'hui, elle se pose par le biais des réseaux sociaux quand même. Ah, complètement. Alors voilà. Donc là, il y a du coup... Et des mouvements associatifs. Oui. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que l'engagement? Quel type d'engagement c'est? Mais si tu veux... je pense qu'on était... nous, enfin, on n'est pas tout à fait la même génération, mais je pense qu'on était, nous, on était parasités par l'idéologie quand même, beaucoup, si tu veux. Enfin, je le mets dans la case négative, parce qu'on était parasités par les débats idéologiques. Alors qu'aujourd'hui, la situation est tellement désespérée qu'en effet, si on veut faire quelque chose, ça passe par les assos, ça passe par les réseaux sociaux, et tu vois, enfin, il n'y a pas ce poids de l'idéologie, je trouve. Funambule, moi, ça me fait penser aux marionnettes, et précisément aux marionnettes de... aux marionnettes de Kleist. Assez à cause des fils, hein, que je pense à ça. Où en fait, le marionnettiste, il décrit, Kleist, c'est absolument merveilleux, il décrit vraiment tout l'art du marionnettiste qui consiste à tirer les fils de manière à trouver une sorte de... Je ne peux pas dire de point mort, parce qu'en réalité, c'est le point de vie extrême. Mais c'est le point où l'équilibre entre tous les fils qui doit faire bouger toutes les articulations de la marionnette est tellement parfait que plus rien ne bouge et tout peut bouger. Et voilà, Funambule, ça me fait penser à ce texte merveilleux. Et ce texte merveilleux, ça me fait penser un peu à comment on essaye d'être dans la vie et que c'est vachement difficile, quoi. Moi, ça m'a évoqué la position de celui qui écrit, c'est-à-dire d'être justement dans une recherche d'équilibre, toujours un peu au-dessus du vide. Et avec l'espoir qu'on arrivera à traverser de côté.